Hello à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau podcast un peu spécial qui s'intitulera Une journée dans ma peau d'étudiant sage-femme en troisième année. Donc en général je me réveille, ensuite je prépare mon petit déjeuner, je me coiffe, etc. Ensuite je prépare le reste de mes petites affaires que j'ai pas préparées la veille, voilà les petits trucs à rajouter. Puis je mets mes chaussures. Et je pars de chez moi, voilà. Donc comme j'habite à Schiltigheim, j'ai environ 5 minutes pour aller à l'école. Donc c'est plus trop pratique. J'arrive à l'école et on commence. On avait un premier cours sur la CAF. Puis on a fait une petite pause où j'ai pris un cookie. Ils sont trop beaux, les cookies. Et ensuite, on avait fini le cours un petit peu plus tôt. Donc j'ai pu vous montrer les petits mannequins qu'on a à l'école pour s'entraîner. Donc là, c'est Georges et son copain, on ne sait pas trop comment il s'appelle, mais voilà. Et ensuite, voilà, donc là, on a un mannequin pour faire des palpés obstétricaux. Donc c'est plutôt pratique. On a aussi des stérilés factices, comme ici, ou encore des spéculums factices. Donc là, on a Mathis qui est en train de faire un examen du nouveau-né à notre nouveau-né préféré, mannequin, c'est Georges. Voilà. On palpe les clavicules, la totale, quoi. Et ensuite, on a ici une petite action d'accouchement qui, voilà, n'est pas très représentative de la réalité vu que c'est un mannequin. Mais ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire avec le mannequin accoucheur qu'on a à l'école. Voilà, voilà. Ensuite, c'était l'heure de manger. Donc voilà, c'est trop trop bon le self au CMCO. Moi, j'adore tout le temps. Puis on avait un cours sur la génétique. Et ensuite, vers 16h, on a révisé avec une copine quelques petits cours. Et ensuite, je suis rentrée chez moi sous ce beau soleil. Et comme j'avais un petit peu le temps, je suis partie dans le centre de Strasbourg parce que j'avais encore quelques petits trucs à faire. Et voilà, fin de la journée. Merci de votre attention. J'espère que ce podcast vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir nos autres podcasts sur le compte Instagram de la MSFA, sur le lien Linktree. Voilà, voilà. Bisous et bon courage à tous.